Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la playroom sur l'épisode de Robocraft en platoon, chers amis, avec Skyhell. Je vais réussir à le prononcer correctement. Donc le voici, le voilà, hein, comme je vous rappelle quand même que vous pouvez tout simplement m'ajouter sur Steam et je viendrai à l'arrache vous chercher, hein, si vous avez envie de faire une game. Donc voilà, pour les nouvelles, la tour est juste à côté de moi, mais elle ne fonctionne pas. Donc voilà, on en est arrivé à avoir un service après-vente qui renvoie une tour non fonctionnelle. Donc voilà, écoutez, je peux pas malheureusement en dire plus sur le fonctionnement de la tour. Ils n'ont pas changé l'alimentation, et pour moi c'est ce qui pêche, en tout cas, pour ce retour. Donc je n'ai pas été très sympathique au téléphone avec le monteur de la tour. Ce qui implique que j'ai dû hausser la voix et donc réclamer des choses. Donc je suis passé par un service de réclamation, hein, simplement, pour hausser le ton. J'ai proposé des solutions pour que le problème puisse se régler plus rapidement que par un retour chez eux. En l'occurrence, le renvoi des pièces chez un réparateur plus proche de chez moi, pour qu'elles puissent simplement être montées et qu'on puisse voir ensemble ce qui se passe. Hop. Voilà. Et malheureusement. Et donc j'ai proposé aussi en couple avec ceci une demande pour simplement me faire envoyer une tour neuve, une tour fonctionnelle, parce que ce n'est pas normal qu'un tel service après-vente puisse renvoyer une tour qui ne fonctionne pas alors qu'il est censé avoir un essai. Et que le pire, c'est que le papier est signé comme quoi il y a eu un essai. Donc c'est vraiment aller trop loin pour moi. Oh mais... Ta mère en string sur internet. Oh là là. Donc apparemment il y a un truc qui nous tire dessus d'en haut. Je sais pas ce que c'est. Oula, on se calme. Hop. Est-ce que quelqu'un peut le viser, ce machin là? On le voit pas. Lui il nous voit mais nous on le voit pas. C'est ça que je capte pas. Ah oh, putain. Je passe devant, écoute. Hop, ah bah il me heal, cool. Hop. Hop. Est-ce que quelque chose me heal toujours ou pas là? Alors, est-ce qu'ils vont aller prendre une tour? Putain, ce truc me saoule! Oh non, mais ils ont tous ça! Oh, mais faites pitié! Est-ce que je peux toucher? Est-ce que je peux viser ma cible correctement? Alors, il y a abandon de la part des snipes, de toute façon là c'est pas la peine. Je crois que c'est mort. On peut pas faire face au sniper en face parce que voilà. L'équilibre des pièces est génialement réalisé. Et en plus il y a des tesseracts. Est-ce que je pourrais... Non, je peux pas viser mon ennemi, c'est génial. Je n'ai pas l'occasion de lui tirer dessus non plus. C'est la fête. Oh. Je vois même pas ce qui me tire dessus, je serais curieux de savoir. Voilà, donc c'est ce truc là qui nous tire dessus de très très loin. Je sais pas comment il fait pour avoir une si bonne vision des choses. Mais c'est mort. Ok, je viens de gaspiller un de mes tirs, je crois, en plus, c'est génial. C'est la fête. Oh. Bon, c'est pas grave. Ce serait bien qu'on puisse reprendre une tour, cela dit. Hop. Mais non, je peux pas. Je peux pas parce que quand c'est pas le sniper qui me bute, c'est ces putains de tesseracts. Ah, une équipe glitchée.
Hop. Hop. C'est la fête. Voilà. Je viens de spawn, hein, mais... Voilà. Ok, je me suis pris le tir quand même, parce que fuck it. Ce truc-là, on le voit pas. On le voit pas. Il n'apparaît pas. Je ne le vois pas. Ça y est, putain. Mais on peut pas le voir. Vous voyez ça? C'est pas possible. C'est pas possible de le voir. Tu me heal toujours ou pas là? Mais non, mais... Oh, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Honnêtement, c'est pas la peine. Ça me donne même pas envie de jouer là. Alors, il y a que des mauvaises nouvelles aujourd'hui. En plus, j'ai pas envie de jouer à Robocraft. Oh la gueule. Bah oui, mais vas-y, mais continue à jouer à ton jeu débile là. Avec ton snipe moisi. Et je peux même pas le viser correctement. Hop, dégage. Puis vas-y, fais sauter mon robot, t'as raison. Oh là là. Je m'éclate. Littéralement. C'est la fête, chers amis. Ça y est, c'est la fête du slip. Faut pas chercher. Ok, ça touche pas là. Hop. Hop, ça y est, j'ai fait un... Ah non, j'ai même pas fait le kill. Qu'est-ce qui me tire dessus? Est-ce que je peux te toucher? Est-ce que je peux te tuer? Non, parce que tes legs sont trop solides. Hop, et je peux déjà plus viser correctement. C'est génial! C'est génial. Et non, raté. C'est la fête. La fête. C'est la fête. La fête. Je m'éclate. C'est la fête. On peut rien faire, on ne peut rien faire. On ne peut strictement rien faire. Parce que le jeu est mal fichu. Je sais pas si je dois repop en fait. Honnêtement, je sais pas. Hop, les, c'est fini, bravo. GG. GG. Débile, débile, c'est absolument débile. C'est un viol, on vient de subir un viol. Pff, c'est débile. Le matchmaking de ce jeu est toujours aussi génial, c'est la fête. On est mardi en plus, ça se trouve, on va tomber sur une mise à jour en plein milieu de l'après-midi. Ok, ouais, défaite, 116 000. Vengeance. Rush. Hop. C'est parti. Ok, on y retourne. Ok, on va bien voir. Après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon. Disk chill module, on a déjà un, mais bon. Le robot sur lequel on est n'est pas efficace. Et je vais finir par abandonner l'idée de faire des robots stylés. Le ski, c'est la vie. Docteur, j'ai joué. Miko Miko. Miko Miko version. D'accord. Ok. Où est-ce que t'es, mon pote? Sky Hell, où es-tu? Sky
hell? Ok, je vais te chercher. Lui, il a pas l'équipement requis pour aller. Bon, ils y vont. Hop. Et on voit même pas les tirs. Hop. C'est la fête. La fête. Spot les ennemis. Quoi encore? Mais non, t'es pas sérieux. T'es pas sérieux. Oh la gueule. Ok. Merci d'avoir fait le boulot. Hop. Merde, ils l'ont buté. Oh, puis j'ai des trucs qui se cassent la gueule sur mon bureau. On peut encore appeler ça un bureau. Allez, voilà. Ah! Ah putain. C'est la fête. C'est la fête. Je suis déjà niveau 6. What the fuck? Pourquoi je suis niveau 6? Oh là là, non! Oh putain, il a régène au mauvais moment, lui. C'est bon, il est reparti. Comme en 40. Hop! Fuite! Je l'attends. J'attends Skyhell. Merci. Merci. Hop. Ok. Ok. L'armement. Vise l'armement. Ah, quel dommage. Quel dommage. T'es toujours en vie? T'es toujours en vie? Et où Skyhell? Je vais te chercher. J'arrive. Hop. Survie. Survie l'ami. Hop. Même s'ils commencent à être très nombreux, là ça pour le coup c'est pas bon. Dommage. Ok. Bon. C'est la fête. J'ai mal à croire que ça soit aussi solide que ça. Oh la survivance de ce... Ah, quel dommage. Quel dommage. Je t'attends. Je l'attends. Hop, il est là. Wouhou, c'est la fête. Hop, c'est parti. On y va. Hop. Oh. Hop. Voilà. Neur. Voilà. La tour. Hop. C'est bon. J'essaie de faire remonter mon énergie un petit peu. Hop. Sinon on va pas être performant au combat. Hop, c'est bon. On y retourne.
T'es où? GG. Ah, quel dommage. Ouais, je vais trop vite avec mon over par rapport à toi. Là, hop. La différence de vitesse fait que... C'est dommage. Oh, la technique est bonne, là. Intéressant, ça. C'est véritablement intéressant. Ok, Skyhell, il arrive normalement de l'autre côté, j'imagine. Est-ce que t'es? T'es là. Pinage! Hop. Quoi? Oh, il a les deux. Oh la vache, GG. GG, GG. Ah, quel dommage. C'est mort. C'est mort. Hop. Voilà. Non. Oh, la gueule, il est solide son machin. Oh la gueule! Solide son truc. Solide, solide, solide. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas? Ce serait bien qu'il faudrait qu'on aille... Ça serait bien qu'on aille prendre une tour en fait là pour le coup. Je pense que je vais rusher sur la tour. Alors. Prenez la tour, c'est mieux. Hop. Aïe. Fait mal. Oh, ça fait mal. Ça fait mal et je peux pas avancer. Sinon. Ah, putain. Il a un hot rod. Non, je l'aurais. J'en ai eu un. Rien à foutre. Ah, c'était toi, Skyhell. Je t'ai tiré dessus. Je suis désolé. Ah putain, c'est débile. C'est débile. N'arrive pas à moi à avoir le dessus quoi, c'est d'une violence. C'est d'une violence. Je vais tenter un rush. Je vais tenter un rush et on verra bien. Ce qu'il faudrait c'est réussir à prendre la tour du milieu. Alors, est-ce qu'on peut revenir ou pas? Merci. Il est stylé son snipe, ça donne vraiment envie d'essayer. Ah, j'ai peut-être reçu un mail de constructeur. Alors. Pro. Et ils osent me faire de la pub derrière quoi. Ils osent me faire de la pub derrière. Hop. Ok. C'est pute. C'est pute, c'est véritablement pute. C'est véritablement pute.
Faire repop un ennemi juste devant ma gueule comme ça, c'est véritablement pute. 5% de remise, bah écoutez, les 5% de remise, vous allez vous les foutre dans le fion. Commencez déjà par apprendre à réparer des tours. Surtout quand on vous les paye un prix exorbitant. Mais bon. Votre plaisir, chers amis, n'a pas de prix pour moi. Il faut aller prendre une tour. Et vite. Tout le monde est au courant en plus de ce que je dis. Hop, voilà. Hop. Hop, raté. Hop, je suis plus spotted. Hop. On va leur faire un petit coup de frayeur. Hop. Ok. Hop, frayeur. Ah, quel dommage. J'ai pas réussi à en faire deux. Faudrait que quelqu'un aille prendre une tour assez vite là. On va se faire défoncer sinon. Ah, ça y est, il se décide lui. Hop. Faut qu'on puisse repop. C'est pas mal son histoire lui aussi. C'est pas bête. C'est pas bête, ça permet de prendre les tours en étant au-dessus. C'est véritablement pas bête. Ça me plaît. Essayons de faire peur à nos amis. Hop. Hop. Je suis désolé, ça va pas le faire ça. Hop. Hop. Et celle-là, hop, tour. Maintenant, moi je rush sur leur deuxième tour, la plus proche de leur base. Espérons qu'il n'y ait pas trop de monde. Il y a du monde. Hop. Fais chier. Ah, fais chier. Fais chier. J'aurais dû pouvoir rush. J'ai pas eu de bol. J'ai véritablement pas eu de bol. Et puis ça, franchement, c'est pas drôle. On a reperdu la tour. On a reperdu la tour une fois de plus. Faudrait commencer à tirer sur la tour, ce serait cool. C'est bien. C'est un peu tard maintenant, mais c'est bien. Hop, allez, hop, c'est bon. On y retourne. Faut la prendre là, pourquoi vous la tirez? Pourquoi vous tirez pas sur la tour? Hop les, esquive. Thierry le chasseur est comme tous les chasseurs, il est con. Tant d'aller chasser. Quoi?
Mais tu te prends tellement de tirs de nulle part et tu meurs pas. Mais non. Non, non, je suis désolé, t'es de la merde, on est à 3 sur toi, tu survis. Je comprends pas, ça me saoule. Ça me saoule. 3 dessus et... Vive l'équilibrage. Hop. Non mais c'est une défaite, c'est pas grave. Ça fera deux défaites dans l'épisode. Bon, bon, c'est moi qui rush de toute façon, c'est vrai que c'est débile, il a raison, je rush comme une brute et j'aurais pu attendre pour lui d'avoir le bouclier, c'est vrai que c'est moi qui suis con, je le confirme. Bon. Et ben voilà, c'est génial. Eh ben écoutez les amis, c'est sur deux défaites qu'on va se laisser pour cet épisode, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom, dans Persuader dans la merde de la chaîne, n'hésitez pas à m'ajouter sur Steam, pardon tout simplement, excusez-moi. Ou tout simplement m'ajouter dans le groupe Steam, partagez les vidéos et abonnez-vous, ce sont deux excellents mains que vous avez pour me faire connaître les amis, je vous en remercie. Quant à moi, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yop. Et non, pour certains qui me le demandent sur Steam, je n'accélère pas en fait avec au montage, l'outro, allez, salut les gens.